Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui, j'avais juste envie de faire l'intro avec mes lunettes. Non, je vous avoue, je me préfère sans, mais dans ma classe, je suis toujours avec mes lunettes parce que j'arrive pas trop à supporter les lentilles. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour un swap avec la belle Mélogomette, Mélodie. Je sais pas si vous la connaissez, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, son swap, hein, parce que je vais offert en barre d'infos. On a eu la chance de pouvoir se rencontrer déjà du coup deux fois. C'est une fille que j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup son blog, son Instagram. Enfin, je la suis un peu partout et du coup, j'adore. Et c'est une maîtresse aussi comme moi. Du coup, on a décidé de se faire pour la rentrée. Ça fait longtemps qu'on a pensé à ça, hein, d'ailleurs, de se faire un swap spécial rentrée pour notre classe. Donc spécial maîtresse un petit peu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes maîtresse, si vous êtes prof des écoles ou prof du collège, etc. Ça m'intéresserait de savoir si j'ai une communauté un petit peu de maîtresse ou pas du tout. Et est-ce que vous en avez pensé aussi en commentaire de ce swap? Et bien sûr, dans ce swap, il y aura un concours. Donc, il y aura toutes les conditions qui seront répertoriées dans la barre d'infos, ainsi qu'un petit questionnaire à aller... vous savez, les questionnaires Google, à aller remplir. Il faudra s'abonner à ma chaîne et s'abonner à la chaîne de Mélogomette. Donc moi j'ai mis des choses pour vous aussi dans son swap. Donc elle a mis aussi des choses pour vous dans le swap qu'elle m'a donné. Je sais pas si c'est très clair aujourd'hui. Et du coup vous pouvez participer sur ma chaîne mais aussi sur la sienne. C'est top. N'hésitez pas surtout pour me dire que vous avez participé sur le questionnaire. N'hésitez pas à me le dire dans votre petit commentaire sous cette vidéo. Voici le paquet qu'elle m'a envoyé. Donc j'ai vraiment rien ouvert. On se l'est échangé. Au début elle l'a mis dans un colis parce qu'elle pensait qu'on allait peut-être pas se voir. Mais on a réussi à se voir. Alors elle a bien protégé ça. Et l'intérieur est trop joli, je trouve. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Trop joli, avec du beau papier cadeau. Je crois qu'elle m'avait dit qu'on avait utilisé à peu près le même papier cadeau. En tout cas, je pense qu'il vient de chez Action. Elle m'a mis un petit mot. Coucou Karine, très heureuse d'avoir organisé ce swap spécial maîtresse avec toi. J'espère que tout te plaira, des choses pour toi. Si tu les as déjà, tu pourras les offrir à tes abonnés de ma part et surtout des choses pour ton bureau et ta classe. Trop hâte de voir tes réactions et ta vidéo. Moi aussi, j'ai trop hâte. La vie est faite de petits bonheurs. Trop mignon cette petite carte. Je suis désolée, vous devez entendre la météo, mais il se met à faire tout blanc, tout à pleuvoir, je ne sais pas. Enfin, c'est un jour bizarre. Mais je voulais trop filmer. Du coup, on commence tout de suite. J'ai essayé d'aller vite parce que, faut pas que ça dure 10 ans, mais ça dure déjà 3 minutes, c'est compliqué. Faut penser à soi aussi. Trop mignon, j'ai hâte de voir sa vidéo. Ah, c'est un masque, oui, je me disais que c'était tout fin. C'est, vous savez, les petits masques comme ça. Oh, je connais pas celui-ci, c'est cool. Donc les masques pour le visage, je pense, de chez... Je ne sais pas. Donc je vous laisse regarder, je pense que ça se trouve chez Sephora, mais là je ne sais pas. Ah ça, je crois deviner. Une petite tasse pour laisser libre cours à ton imagination. Mm-hmm. Une tasse à customiser. Ah. Alors, j'ai déjà tout le matériel pour faire les customisations sur les tasses puisque j'avais tout acheté chez Audio pour faire avec mes élèves. Mais c'est une super idée puisque bah, je connais déjà. Elle m'a mis un Posca du coup un peu orange, rose, trop mignon. Et voilà, une tasse vierge. Donc ça c'est cool, c'est une bonne idée. Ensuite elle m'a mis pour les méga dossiers ou les méga évaluations. Ça doit être des espèces de pinces pour tenir tout ça. Alors moi j'ai essayé de lui faire vraiment des... Je les ai déjà, mais je les emmènerai dans ma classe ceux-là. Ce sont des grosses trombones comme ça qui viennent de chez Action, que j'ai déjà acheté pour faire des petites choses que vous verrez bientôt sur ma chaîne. Donc, ouais. Bref, mais c'est cool, je les emmènerai dans ma classe, comme ça j'en aurai dans ma classe. Les autres, c'était pour moi. Je n'ai jamais autant fait ça depuis que je suis maîtresse. Bon, là, vu la forme, je ne sais pas trop. Mais il faut savoir que voilà, moi j'ai essayé de mettre tout dans des paquets... Ah oui, c'est vrai, non, c'est vrai. J'ai tout mis plusieurs trucs dans un paquet pour pas que ça soit trop long pour elle. Mais moi je pense que ça va être trop long pour moi parce qu'elle a pas fait ça. Un taille crayon qui est trop mignon pour ma classe effectivement. Alors j'avoue qu'on taille tout le temps des crayons. Je voulais absolument le taille crayon électrique de chez Action qui taille du coup un peu tout seul. Et ça aurait été hyper pratique. Mais je l'ai pas trouvé. C'est bien dommage. Contre les ravages de la craie sur les mains. Une crème pour les mains, pas bête. J'ai pas pensé à ça. C'est vrai que moi j'écris beaucoup au tableau. Je suis en CP hein. Oh trop bien, c'est une gamme que j'adore de chez Rituals, la crème, je savais même pas qu'ils avaient une crème pour les mains. C'est une crème pour le corps, après on peut l'utiliser sur les mains, mais c'est la crème pour le corps en miniature.
Donc ça, je l'avais déjà testé, je l'adore, donc c'est top. Elles en ont bien besoin aussi. Ça, ça doit être les masques pour les mains. Je les adore. Et ça, c'est top. De chez Sephora. J'adore ces petits trucs-là. Je n'ai pas celui-là, celui-ci à l'huile d'argan. Donc, c'est top, top, top. Elle m'a mis sa petite carte. C'est trop bien. Trop mignon. Bon, je vous mettrai de toute façon tous ces réseaux, tout ça, en barre d'infos. Ensuite, pour la poster. Oula, ça m'a l'air d'être des gourmandises, ça. Attention, attention. Ah, je les ai déjà aussi. Malheureusement, on va dans les mêmes magasins, ma petite Mélodie, donc c'est compliqué. Ça vient de chez Audio, je les avais achetés en solde à 1,50€, je sais plus. Et je les ai déjà, et d'ailleurs, je les ai mis dans mon sac pour ma classe. C'est pour te le dire, donc, on est connectés. Donc oui, je les ai déjà. Après, je verrai si je les garde quand même, s'ils sont bons ou pas. Et sinon, je les ferai gagner, je vais voir ça. De toute façon... vous verrez une photo à la fin du lot que vous allez pouvoir gagner. Tout à fait de saison. Peut-être un blush. Ou pas. Je sais pas. Ah, un washi tape. Trop bien. Alors ça vient de chez Action. C'est un washi tape version tissu avec des pastèques. Et j'en ai pas du tout acheté des comme ça. Donc c'est très très sympa. Ça, ça va être hyper sympa pour décorer les petites choses et tout. Tes élèves vont être jaloux. Alors ça peut être des stylos. Parce que mes élèves souvent ils aiment bien piquer mes crayons papier, mes stylos, mes trucs comme ça. Ou pas. Ah, une trousse. Ah, je l'ai vu, j'ai failli me l'acheter. Non mais tu te rends pas compte. Je l'ai vu en jaune moi, je l'ai pas vu en rose. Mais elle est sublime en rose, elle vient de chez Tati si je me trompe pas. Et j'ai failli l'acheter. Elle est vraiment trop jolie. Je suis fan. Et dedans elle m'a mis une sucette. Oh, trop rigolo, une petite sucette. Trop fan, là je suis fan. Ensuite, à emporter partout. Peut-être un petit carnet. Des sticky notes peut-être. Non, un petit carnet. Un petit carnet trop mignon comme ça, rose. Il vient de chez Accessories, il est trop sympa. Donc effectivement, ça va mettre dans le sac pour mettre les choses à penser, les listes de choses à faire. Moi, j'en ai toujours 10 000. Ça, c'est top. Pour le petit bazar du bureau. C'est mou, donc peut-être une poche. Oh, c'est trop mignon. Je sais pas du tout où t'as vu ça, c'est trop beau. J'adore. Ah, ça, c'est trop beau. J'adore. Trop beau. Et ben ça, effectivement, pour mettre le petit bazar dans la classe, c'est top. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est trop joli. Toujours avoir du stock dans la réserve de classe. Je pense que ça, c'est des petits crayons papier, des gommes, des choses comme ça. Et il faut toujours en avoir, c'est sûr. C'est des gommes de chez Action. Ça, je pense que ça va être pour ma classe parce que moi, je m'en servirai pas du tout. Mais ça, c'est mignon. Les élèves, ils vont sûrement les vouloir, c'est sûr. Alors, après une dure journée de classe, le réconfort, ça, c'est du chocolat. C'est obligé. La gourmande que je suis veut du chocolat. C'est du chocolat, c'est obligé. Alors heureusement, je sais plus si je lui avais dit, j'aime pas le chocolat noir. C'est au chocolat au lait praliné, aux éclats de crêpe dentelle. Ça a l'air trop bon de chez Lindt. Ça, ça a l'air divin. C'est parfait, c'est une bonne idée. Je crois pas que je t'ai mis de gourmandise. Mais j'ai mis d'autres choses. Bye bye les microbes. Un gel antibactérien, peut-être de chez Merci Andy. Vu le packaging. Peut-être une autre marque. Hein. Alors, ah, je l'adore. Je l'ai actuellement dans mon portefeuille. Oui, dans mon sac à main, pardon, trop de mal. Et je l'adore. Il est vraiment trop bien. Il sent le monnaie. Donc j'adore. Indispensable dans le guide du maître. Des post-it. Pour les maîtresses, vous comprendrez, le guide du maître, c'est le livre de l'enseignant qu'on utilise. Ah, ils sont trop beaux, qu'on utilise au quotidien pour nos classes. Ils sont trop beaux, ça vient de chez Action, ça je le sais, je les avais vus dans des vidéos, mais je les ai pas trouvés. Ils sont trop beaux, donc ça effectivement, c'est indispensable. Ils pourraient ressembler aux alphas. Alors là, un alphabet. Ah oui. Ah, c'est marrant, ça vient de chez Accessories, ils font ça. Trop mignon, ce sont un alphabet comme ça de chez Accessories.
Je savais même pas qu'ils faisaient des trucs comme ça là-bas. Ça c'est sympa, mais alors après je vais voir peut-être dans mes cahiers de classe. Je vais voir ce que je vais en faire. À cacher dans le bureau de ta classe. Là je ne sais pas. Ah, j'ai jamais goûté, mais je pense que je vais adorer. J'aime beaucoup ce genre de petites choses là. Même si j'aime pas le chocolat noir, il y a la framboise qui casse le goût. Donc ça c'est top et la petite gourmandise, c'est pas bête. Ensuite je vois que ça doit être des livres, les trois derniers paquets, et il y a un tout petit paquet comme ça pour avoir les plus belles clés de l'école. Ah, ça doit être un porte-clés. Oh oui, il est trop mignon. Je sais pas d'où il vient, mais il est trop beau. Peut-être Maison du Monde ou quelque chose comme ça, je sais rien. Un petit porte-clés ananas. Effectivement, je vais avoir les plus belles clés de l'école avec ça. Il est trop beau. Et ensuite, pour être la plus tendance en conseil des maîtres. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Ça doit être un cahier. Et je pense qu'elle l'avait montré dans une de ses vidéos. C'est le fameux cahier tropical comme ça que j'avais pas acheté dans ma vidéo back to school. Mais là du coup c'est cool, je vais pouvoir l'utiliser bah oui, pour mettre les bilans de réunion, etc. Et le dernier c'est pour vous, elle a mis deux petits échantillons. Et le dernier c'est pour vous, c'est je pense avoir un agenda de chez Action. Parce qu'on s'était dit que voilà, moi je vais vous faire la même chose pour vous, donc vous pourrez le gagner aussi. Parce qu'elle m'a acheté le même en fait. Ah j'ai oublié moi de lui mettre des cartes de ma chaîne. Je vais lui en envoyer par la poste. Donc voilà. Trop mignon, elle vous a pris un agenda pour vous. Donc je vous mettrai la photo à la fin de cette vidéo du concours que vous allez pouvoir retrouver, de ce que vous allez pouvoir gagner. Et bah, merci Mélogomètre, parce que c'est cool pour vous. Je savais que ça allait plaire. Moi aussi je vous ai mis la même chose pour... J'ai mis la même chose pour elle et pour vous. Donc je pense qu'elle vous en fera peut-être gagner plus. Je suis très contente de ce petit swap. En revanche, je suis un petit peu déçue parce que j'aurais voulu un livre pour ma classe. On avait dit qu'on mettrait un livre pour la classe ou un jeu pour la classe. Et là, il n'y en a pas, donc c'est vraiment le petit hic. Mais sinon, pour la rentrée, j'aurais voulu un livre de rentrée. En fait, je comptais sur elle pour m'en trouver un parce que bah, j'en ai pas acheté. Je me disais qu'elle allait en mettre un dans le swap et du coup, j'en ai pas acheté. Bon, c'est pas grave, je vais aller du coup en acheter un pour ma rentrée. Et moi, j'ai mis du coup des livres et voilà, vous verrez, n'hésitez pas à aller voir tout ce que je vais vous faire. Je vous fais plein de gros bisous, comme d'habitude, likez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. J'espère qu'elle vous a plu et on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo maîtresse. Salut, salut.